Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Au verset suivant. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, bien aimé, l'Esprit Saint m'a dit clairement que cette parole n'est pas une promesse de la part de Dieu. Je répète, cette parole n'est pas une promesse de la part de Dieu. Non et non. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une promesse. Non et non. Au contraire, c'est un état de fait. Dieu dit, ceux qui auront cru en son nom, voici les signes, voici les prodiges, voici les miracles qui vont accompagner ces personnes-là. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Et les miracles ne sont pas disponibles et nous, ou disposés pour seulement les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, en un mot, les cinq ministères. Mais Jésus dit, ceux, il va dire C-E-U-X, ceux qui auront cru dans une nouvelle personne païenne qui va croire à l'évangile, accepter Jésus-Christ, qui donnera sa vie à Christ à l'instant T, automatiquement, l'Esprit Saint vient habiter dans cette personne. Et cette personne peut être utilisée pour opérer des miracles. À l'instant T. À l'instant T. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, pour que les miracles m'accompagnent, qu'est-ce que d'abord je dois faire? Je dois d'abord croire. Donc, je crois et les miracles me suivent. Je ne crois pas, les miracles ne vont pas me suivre. Mais je crois et les miracles me suivront. Donc, bien aimé, ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une prophétie. C'est un état de fait. C'est déjà établi. C'est déjà fait. Tout ce que maintenant tu dois faire, c'est de te lever et croire. Croire, venir accepter. Accepter ce que ton Dieu dit. Accepter la parole de ton Dieu. Accepter la parole. L'accepter. Accepte ça. C'est une vérité et ça marche. Alléluia. Donc, bien aimé, ce n'est pas une promesse. C'est un état de fait. C'est une vérité absolue pour les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Qui sont nés de nouveau. Les signes, les prodiges et les miracles ne vont jamais accompagner les incroyants. Jamais et jamais. Les signes, les miracles accompagneront que ceux qui auront cru. Donc c'est une vérité absolue pour les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Nés de nouveau. Qui sont une nouvelle créature. Dont l'esprit a été régénéré. 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 Alléluia. On va lire rapidement pour mieux comprendre. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Rapidement. Si, voyez, on suit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, cette personne-là devient un spirituellement avec Christ. Quand tu nais de nouveau, quand ton esprit est régénéré, tu deviens spirituellement un, une seule personne avec Jésus. Il n'y a pas de différence entre toi et Jésus. Vous êtes la même personne. Alléluia. 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 Et c'est une bonne nouvelle pour nous, enfants de Dieu. Du fait qu'il n'y a plus de différence entre Jésus et nous. Nous sommes pareils. La Bible dit, tel il a été, tel aussi nous sommes. Tel aussi il sera, tel aussi nous serons. Donc il n'y a plus de différence entre Jésus, Christ et nous qui avons accepté, qui sommes nés de nouveau. Amen. De la manière que l'Esprit Saint utilisait puissamment Christ, de la même manière, que toi aussi, tu seras aussi utilisé pareillement, puissamment, par l'Esprit de Dieu.
Donc Christ et moi, nous sommes devenus une seule chair. Nous avons le même esprit. Vous voyez? Le même esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus l'ancienne personne. Ce n'est plus moi qui vis. C'est maintenant Christ qui vit en moi. Et comme Christ vit en moi, quelles seront mes espérances? C'est la gloire, le succès, la réussite, les exploits. Raison pour laquelle tu ne vas jamais répéter les histoires de ton père et ta mère. Ton amen est faible. Je dis, tu ne vas jamais répéter la vie de ton père et celle de ta mère. Tu ne vas jamais la répéter au nom puissant de Christ Jésus. Et aussi, plus loin, tu ne répéteras pas ce que tes pères spirituels t'ont enseigné et t'ont légué. Non, nous ferons plus. David dit, l'Éternel et moi, nous ferons des exploits. Des exploits. Des exploits. Ce que mon père spirituel n'a pas fait, je le ferai. Ce que mon père spirituel a fait, moi j'en ferai plus. Ton amen est faible, j'en ferai plus. Je l'ai dit et je l'ai déclaré que je serai le dépôt David de la Côte d'Ivoire. Même si tu ne dis pas amen, les anges le disent à ta place. Alléluia. Donc, bien aimé, Christ et moi, nous sommes maintenant d'un seul esprit. Un seul même esprit. Waouh, c'est formidable. Et gloire à Dieu. Il n'y a plus de différence. Quand on me voit, on voit qui? Christ. Quand on voit Christ, on voit qui? Holy David. Raison pour laquelle je respire la gloire de Dieu. J'ai dit, je respire la gloire de Dieu. Je respire la santé de Dieu. Je respire la prospérité de Dieu. Je respire la vie de Dieu. Parce que c'est Christ qui habite en moi. Ce n'est plus moi qui tombais autrefois malade. Ce n'est plus moi autrefois misérable. Ce n'est plus moi autrefois peureux. Je suis devenu une nouvelle créature. Une nouvelle personne jamais connue auparavant. Ton amen est faible. On va lire rapidement 1 Corinthiens 6, verset 17, qui atteste que Christ et moi et nous, nous sommes du même seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Regardez, c'est écrit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec le Seigneur un seul esprit. Waouh! Christ et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Un seul même esprit. Pas de différence. Le même esprit qui a utilisé Christ est là aussi pour moi. Le même esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, un deuxième point, c'est que quoi? En fait, la déclaration qu'a fait Jésus-Christ, ne parlant de voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru, parlant de ça, cette déclaration faite par Jésus-Christ, m'a dit l'Esprit Saint, ne s'adressait pas seulement aux chrétiens, mais à tout le monde. Aux païens, au peuple de Dieu, aux chrétiens. Cette déclaration s'adresse à tout le monde. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. D'autres chrétiens pensent ou pensaient que cette déclaration était seulement pour eux. L'Esprit Saint m'a dit non et non. Cette déclaration est pour tout le monde. Alléluia. C'est pour les païens, c'est pour le peuple, c'est aussi pour les chrétiens. Maintenant, pourquoi est-ce que Christ l'a ainsi signifié? Et de cette déclaration va me donner, ouais, et va sortir une question que me donnera l'Esprit Saint. Une question que vous allez ensemble noter. Quelle est la question? Comment reconnaître les véritables enfants de Dieu dans ce monde terrestre? Comment reconnaître les véritables enfants de Dieu dans ce monde terrestre? Comment les identifier? Comment les reconnaître? Comment savoir que celui-là est de Christ? Celle-là est de Christ? Celui-là n'est pas de Christ? Celle-là n'est pas de Christ? Ça sera fort, hein, ce qui arrive. Voilà la question que m'a donnée l'Esprit Saint pour bien comprendre. Alléluia. Comment savoir? Comment savoir si réellement tu es de Christ? Comment savoir? Comment reconnaître les véritables hommes de Dieu?
Comment reconnaître les véritables enfants de Dieu, le peuple de Dieu, mis à part, spécial, particulier, consacré, sanctifié? Comment les identifier? Et Dieu me donnera la réponse. Quelle est la réponse? Bien sûr, c'est par les signes, les prodiges et les miracles. Voilà la réponse. C'est par les signes. C'est par les signes. C'est par les miracles. C'est par les prodiges qu'on reconnaîtra qu'effectivement, tu es de Christ. Ta soeur est chrétienne de Christ. Ton frère est chrétien appartenant à Christ. C'est par les signes. C'est par les miracles et les prodiges. N'oubliez pas. Pour que Moïse, homme de Dieu, aimé par Dieu, choisi de Dieu, aille vers le peuple d'Israël. Moïse va dire au peuple, à Dieu, mais Seigneur, comment le convaincre? Comment amener ce peuple-là à croire à mon appel? Dieu dira, voilà les deux signes. Quand tu amènes une canne, un bâton, jette-le à terre. La canne devient le serpent. Il dit, saisis le bas de la canne. Ça devient une canne, un bois. Il dit, ok, mets tes mains sur tes aisselles. Il les met, ça devient une lèpre. Il dit, va, c'est deux signes. Comment reconnaître? Par les signes. Comment reconnaître? Par les miracles et les prodiges. Ce sont ces choses-là qui séduisent et qui amènent le peuple à être convaincu de ton appel. Alléluia. Alléluia. Ceci est l'histoire d'une jeune sœur du nom de Alice, coiffeuse vivant dans la commune de Yopougon. Alice portait une grossesse normale qui suivait son évolution jusqu'au deuxième trimestre. Je me nomme Claude Adelaide Huguette Alice. Je suis une coiffeuse. Quand j'étais enceinte, en tout cas ça allait au début. Mais de 5 mois, 6 mois, il y avait des maladies, des douleurs. Je partais dans les hôpitaux. On me disait mon enfant se portait bien, je n'ai pas de problème. Bon, je suis allée faire les échos. C'est un garçon. En tout cas, on m'a annoncé beaucoup de choses. Ça allait. Mais après, il y a des douleurs au bas-ventre. La jeune sœur ressentait des douleurs au ventre. Des douleurs qu'elle trouvait anormales. Mais après consultation, le gynécologue lui dit que tout va bien. À un culte au temple de la grâce, auquel va participer Alice. Dieu, par son oint, le prophète Oli David, rempli par l'Esprit de Dieu, va révéler la vérité, la source du mal de Alice. Ma fille, le maître a dit que tout va bien, hein? Oui. Mais Dieu veut que tu souffres au niveau de ton enfant. Oui. Hein? Oui. Bon, toi tu souffres, mais lui dit. Et tout va bien. Tout va bien, père souffre. Ma fille, l'Esprit Saint me montre un serpent qui est situé au bas de ton bas-ventre. Et Dieu dit, ce serpent même, tu le vois. Un serpent. Je suis ici et Dieu m'amène dans ta maison. Dans la maison de celui qui t'a enceinté. L'Esprit Saint me montre que toi et lui avaient deux esprits différents. Toi, tu as l'Esprit Saint, lui a l'esprit du diable. Lui, il attend. Il est bouddhiste. Il est bouddhiste. Il y a un dragon, serpent, qui est précisément dans ton ventre. L'Esprit Saint me dit, tu cours un grand danger. Je ne sais pas combien vous faites. En fait, je n'ai pas même de dire, tu as fait. Sinon, je vois ton cadavre. L'enfant va sortir, toi tu vas rester. Voilà ce qu'elle dit. Je parle comme un voyant, un prophète. L'enfant va sortir, toi tu vas rester. Ton enfant va peser 2 kilos 6. Toi tu resteras morte. Me dit Dieu. Je vois ça clairement. Révélation choquante, insoutenable. Alice pleure en sanglots. Il dit, ah papa, comment faire? Il dit, non ma fille. Du fait même tu es de mitigé, tu es ma fille préférée. Dieu t'a fait signe déjà, il m'a déjà dit. J'ai déjà prié, en tout cas tout s'est passé. En tout cas toi c'est passé dans les bonnes conditions. Mais viens, je vais prier pour toi ma fille. Cela, je suis venu devant tout le monde, c'était un dimanche au culte. Il a prié, en tout cas il m'a délivré, il a fait des prières même. Il dit ma fille, tu vas accoucher dans les bonnes conditions, sans problème. En tout cas tu n'auras pas même de soucis même. Il dit ok papa, il n'y a pas de problème.
L'onction brise tout joug dans la vie d'une personne. Après la révélation, place à la délivrance. Viens. Je paralyse ce pouvoir d'abord. Qui est en train d'enfouter le bébé dans le monde du sang de Jésus et la vie de la mère. Paralyse ce pouvoir dans le nom du sang de Jésus. Consulte tes yeux. Tu vas libérer son corps, libérer sa vie, libérer le bébé, libérer la vie de la mère, libérer la vie du fils du bébé. Au nom puissant de Christ, je paralyse tes yeux. Dans le nom puissant de Jésus. Esprit impur. Esprit impur. Paralyse ton pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus. Aide-la. Fâche le cœur. Aide-la. Aide-la. Fâche le cœur. Je lui fâche le cœur. Peace. Tu parles de combat. Tu me dis, hein? Ça chauffe. Fabien, ça chauffe. Paris, monsieur! Vous voyez, c'est pourquoi laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. Il dit, passe dans cette position. Peace. Regardez bien, le signe du dragon. Samedi, à la prière samedi, le dimanche, je suis partie à la maison. Matin, il doit venir au culte, il m'apprête. Mon ventre me fait mal. Je dis, il vient à l'église. Mon mari dit, ne laissez pas sortir. Hein. Elle enterre, et puis elle dit, son ventre, mon ventre me fait mal, mais je vais à l'église, je vais aller, mon père va me toucher. Il dit, non, envoyez-la directement à l'hôpital. Donc, je suis partie à l'hôpital, à Géfossine. On dit là-bas, en tout cas, à la maternité, on ne rentre pas les portables. J'ai insisté, il donne mon portable, je dois appeler mon père pour dire que, en tout cas, pour lui dire que ça a commencé. Les gens n'ont pas voulu. Il a dit à ma belle-sœur de prendre le numéro du gardien de l'église, de l'appeler, M. Diomandé, pour informer que, ah, je suis à l'hôpital, je suis au travail. En tout cas, il a informé les gens. De là, les gens touchent la tête de l'enfant. On me dit, mais l'enfant n'est pas sorti, l'enfant n'est pas sorti, l'enfant est presque arrivé. Comme c'est comme ça, là. De 8h jusqu'à midi, ça n'allait pas. De midi là, il a dit, ah madame, envoyez-moi au CHU. Vous voyez le diable, quand le diable fait des trucs, en tout cas, il y a un problème. Mais ici, quand il y a l'onction du Père sur toi, quand l'onction de ton Père te suit, te poursuit, il n'y a rien de tel, le diable ne peut rien. Quand je suis arrivé, la femme m'a dit, envoyez-la au CHU. En partant au CHU, on ne m'a même pas mis dans l'ambulance, c'était dans le taxi compteur. Partout où on passe, il y a embouteillage. Parce que c'était fête des mères le 27 mai. Il y avait embouteillage partout. Il pleurait, il dit, je vais marcher. On dit, non, comment tu vas marcher? Tu attends, tu dis, tu vas marcher. C'est pour cela, de là jusqu'on a eu occasion, on est parti, on est arrivé au CHU. Au CHU,
major m'a vu, il dit ma fille, couche-toi. Il dit à terre là, il dit ton va te faire mal, il m'a fait coucher. Il dit mais l'enfant est déjà sorti, venez. On m'a envoyé sur les lits, mais ça n'allait pas toujours. J'ai appelé encore, il dit ah, dites à papa que ah, il est 17h depuis le sur line. Du moment dit il a fait la commission. Il dit ok. De là, en tout cas, le docteur est venu, il m'a touché, j'ai accouché. Sans césarienne, rien. Par la main du Père, de mon Dieu, de Papa Oli David. En tout cas, j'ai accouché dans les bonnes conditions, sans problème, rien. Voici cet enfant qui a 3 mois aujourd'hui. Je dis sincèrement merci à mon Dieu, Dieu de mon Papa Oli David, et mon Papa aussi qui m'a soutenu en prière, en tout. Aujourd'hui, Alice est mère d'un beau bébé. Que la gloire revienne au Dieu du prophète Oli David. L'Esprit Saint me dit, la sorcellerie te manipule. Ils sont en train de jouer avec ton corps. Dieu me montre des douleurs lombaires, des douleurs au niveau des côtes, des douleurs fortes. La sorcellerie se joue de toi, madame. On t'utilise comme un cheval. Tu as précisément mal là, lombaire. On t'utilise comme un cheval. Et là où je parle, pour que tu respires, pour que tu sois équilibré, pour que tu sois droit. La médecine t'a donné des choses comme ceinture. Quand t'a donné, gaine pour soutenir ton dos et tes reins. Gaine. Dieu me dit, là tu mens, tu l'as. Soulève ton habit. Ribo kam tarabakoria. Regardez le deuxième miracle. Maman, lève les mains. Maman, regarde le peuple qui est là-bas. Vous voyez? Et malgré que la ceinture est là, mais elle est penchée. Malgré que le gain est là, pour soutenir son dos et ses reins, ses côtes, pour qu'elle soit équilibrée. Hey! Qui croit en la puissance du Holy Ghost? Dis après moi, atmosphère de miracle. Maman, rie à moi. Maman, lève les mains. Baisse maintenant ton. Baisse ta chemise. Baisse. Lève les mains. Regardez l'onction. Regardez le rôle de l'onction. La puissance. C'est l'onction qui brise. Bite in the name of Jesus. C'est l'onction qui brise. La puissance de Dieu. Feu! C'est l'onction qui brise. Brise! Jésus t'a guéri. Par son sang. Jésus t'a guéri. Par son sang. Enlève la gueule, ma fille. Par son sang. Jésus t'a guéri. Regardez ça, 2 fois. Montre ça. Tourne la face, l'autre face. Oh, un homme, un être humain que tu es, que je suis. Comment on peut mettre ça pour vivre avec ça? Au nom puissant de Christ Jésus. Regardez, hein. Vous ne voyez pas. Regardez. La puissance de Dieu. Je parle d'atmosphère de miracle. Regardez, hein, le miracle. Et Dieu me montre au niveau de sa côte, il y a des creux. C'est vrai, il y a des creux. Il y a des creux. Donc normalement, elle ne peut pas être tout droit. Femme, lève-toi. Regardez. Regardez. Maman commence à courir. Commence à courir ici. Ici, vers bon ici. Vers bon ici. Maman, cours. Dieu me dit, il faut faire tout ce que tu ne pouvais pas faire. Vas-y.
Vas-y, faut faire tout ce que tu ne pouvais pas faire. Tu es guéri. Et c'est comme ça, le peuple pousse des cris de victoire. Maman, regardez. Le côté. Le côté. Abaisse-toi. Lève-toi. Abaisse-toi. Lève-toi. Et c'est comme ça, tu acclames le roi des rois. Si vous avez été béni par ce programme, contactez-nous aux adresses suivantes.